c'est le 10 février. Moi, je suis un guide francophone. Je m'appelle Lourdes. Je suis avec un groupe français de 5 personnes. On prépare à visiter une pagode. C'est la pagode de Trangpo, une des plus anciennes pagodes de Hanoï. Voudrais-vous des explications de banque des informations concernant le coronavirus? Est-ce que vous avez des soucis quand vous venez au Vietnam? Alors non, je dois dire aucun souci. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de battages médiatiques, mais pour autant, le Vietnam n'est pas très concerné. Je crois qu'il y a eu 10 cas qui avaient été trouvés. Entre-temps, ils ont coupé les liaisons avec la Chine. Ils sont très prudents malgré tout, donc il y a des masques, il y a des désinfectants partout. Voilà, mais nous, on ne se sent vraiment pas très concernés. C'est vrai qu'il n'y a aucun souci. Voilà. Et donc, on passe un bon moment. Et puis, la dernière question, est-ce que devant cette situation, est-ce que vous avez des messages à transmettre aux autres touristes qui voudraient voyager au Vietnam? Oui, qui est que aucune inquiétude à avoir. Comme dit, c'est a priori pas un pays qui est très concerné, qui a pris toutes les précautions nécessaires pour que voilà, ce ne soit pas un risque. Donc j'ai envie de dire, tenez-vous informés et voilà, pas d'inquiétude a priori à avoir jusqu'à maintenant. Et puis c'est un très chouette pays à visiter. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. Venez. Très accueillant le pays et les gens.